Les amis, ce qui est en train de se passer actuellement est juste exceptionnel, je vous assure. En vérité, on ne voit pas à quel niveau nous-mêmes les Africains, on ne voit pas à quel niveau est-ce que l'Afrique est seule en fait. L'Afrique est seule, l'Afrique, en fait j'ai envie d'aller plus loin en disant que l'Afrique est seule contre le monde en fait. Parce que presque tout le monde veut voir l'Afrique par terre. Et quand l'Afrique est par terre, c'est plus facile d'assujettir son peuple et c'est plus facile de se servir de ses ressources naturelles, en fait. Et dans cette vidéo, il est question pour moi, en fait, de te montrer un professeur d'université qui a donné une conférence là où il parle, en fait, des enjeux auxquels les Africains font face contre le monde. Et vous allez comprendre que les États-Unis, la France, la Chine, tous ces partenaires-là, on dit soi-disant partenaires, qui disent qu'ils veulent le bien de l'Afrique, en vérité, ils ne veulent pas le bien de l'Afrique. Tout ce qu'ils veulent, c'est simplement piller l'Afrique jusqu'au dernier, en fait. Je ne sais pas si c'est au dernier centime ou à la dernière énergie, mais vous allez comprendre cela dans cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis, on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent. Deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas que nous avons monté une entreprise qui a pour nom Nexus Consulting LLC, qui a pour but d'accompagner les étudiants africains et étrangers en général à venir étudier aux États-Unis. Voici la vidéo qui explique tout dans le moindre détail. Alors, comme je vous disais, en vérité, l'Afrique est seule, en fait. L'Afrique est seule dans sa lutte, dans le fait de se découvrir, l'Afrique est seule. C'est-à-dire, quand les gens, je vois les gens dire que voilà, j'ai vu la dernière fois, par exemple, il y a une nouvelle qui est tombée là où on disait, en fait, que la France coupe l'aide au développement au Burkina, par exemple. Je me suis dit vraiment, nous en fait, on a des sérieux problèmes, quoi. C'est-à-dire, et c'est ça en fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on est toujours en train de parler d'aide au développement, on est toujours en train de dire que voilà, la communauté internationale va faire ceci pour l'Afrique, etc., etc. C'est-à-dire, il y a toujours des choses qu'on doit faire pour l'Afrique. Mais en vérité, on ne veut pas laisser les Africains prendre leur destin entre leurs mains. Aujourd'hui, la vérité, c'est que beaucoup de pays, notamment dans le Sahel, sont en train de s'élever. Des pays comme la Guinée, le Mali, etc., sont en train de se lever.
même quand ils sont en train de se lever, on ne veut pas leur laisser prendre leur destin entre leurs mains. Et c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi est-ce que la communauté internationale est autant fâchée, notamment la France est autant en colère avec les pays du Sahel, parce qu'il y a un vent de « il y en a marre ». Et vous allez voir dans la vidéo que je vais vous faire jouer tout à l'heure, vous allez écouter un professeur dans une conférence qui explique en fait comment est-ce que, quels sont les plans obscurs que les Occidentaux ont pour l'Afrique en fait. Je vais jouer la vidéo et je vais revenir après et on va commenter ensemble. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally. Alors, comme vous l'avez pu bien écouter, en vérité, la vidéo en anglais, mais on a dû faire la traduction en français pour que vous aussi vous compreniez de quoi il s'agit en fait. Voilà pourquoi on a mis ces phrases-là, pour que vous aussi vous compreniez. Mais en vérité, ici, vous voyez bien que j'ai envie de dire que le projet, il est macabre en fait. Il est macabre dans le sens là où le but essentiel qui est prévu à l'Afrique, c'est la déchéance. C'est la déchéance en fait qui est prévue à l'Afrique. C'est-à-dire que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, et même aussi que ce soit aujourd'hui, la Russie, personne n'a pour but de sauver l'Afrique. Et il ne faut pas être naïf de penser en fait que les gens seront là pour sauver l'Afrique. Parce qu'en vérité, personne n'est là pour sauver l'Afrique. Tout ce que ces partenaires-là veulent, ce sont des intérêts en ce qui concerne l'Afrique. Et bien évidemment, je vois aussi à un moment donné là où peut-être certaines personnes pensent que la jeunesse africaine, nous, on pense que la Russie, c'est le sauveur. Non, nous on n'est pas en train de penser que la Russie est le sauveur. Hein. Nous, on n'est pas là dans ça. Nous, ce qu'on sait, c'est que nous, on veut juste que les Africains prennent la décision de choisir elles-mêmes ses propres partenaires. C'est-à-dire, je vois souvent le discours qui dit que non, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on veut laisser la France alors qu'on n'est même pas sûr que les autres vont bien se comporter avec nous? La preuve, c'est que le Congo, ce qui s'est passé avec le Congo récemment, c'est qu'on a découvert une chose. On a découvert une chose, c'est que le Congo a été, la Chine a signé un partenariat avec le Congo, mais en vérité, les Chinois n'ont pas fait le job qu'il fallait. Mais ça ne veut pas dire qu'en vérité, c'est simplement dû au fait que, voilà, les partenaires qu'on va regarder ou encore les partenaires qui vont venir seront mieux que la France ou etc. Non, ce qu'on veut simplement faire, c'est que peu importe la personne qu'on va prendre pour faire des partenariats avec, on veut juste que les personnes-là, en fait, respectent ce que le peuple veut, en fait. Et je vais vous faire jouer cette vidéo-là, vous allez voir le deal qui a été passé entre le Congo et la Chine pour montrer en vérité que personne ne veut le bien de l'Afrique, si ce n'est les Africains eux-mêmes. Visée par un rapport accablant, la Sicomine, c'est une entreprise minière sino-congolaise créée en 2008 dans la foulée de l'accord de coopération entre Kinshasa et plusieurs entreprises chinoises. Selon ce rapport, produit par l'Initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITI, les autorités congolaises ont été lésées par des contrats d'exploitation minière à hauteur de plusieurs milliards de dollars, ce qui constitue, je cite, un préjudice sans précédent dans l'histoire du Congo. Sonia Rollet.
6 milliards de dollars de prêts, dont la moitié pour construire des infrastructures qui seraient remboursées par l'exploitation de matières premières. C'est la promesse de ce que l'on appelle la convention sino-congolaise à l'origine de la création de la Sicomine. Mais à en croire ce rapport encore provisoire de l'ITIE, cet accord était défavorable à plus d'un titre pour la partie congolaise. D'abord au niveau du capital, alors que la RDC apporte l'essentiel des actifs de cette joint venture sous forme de gisements miniers, elle n'a que 32% de part sociale. De plus, l'étude de faisabilité réalisée par les Chinois a largement sous-évalué les réserves de ces gisements, ce qui accentue encore le préjudice. Pire, en 2017, alors que Joseph Kabila devait quitter le pouvoir, un quatrième avenant à la convention est signé, un accord secret sur les bénéfices, dont même le ministère des Mines ignorait l'existence. Il prévoit le versement de dividendes dès la première année aux actionnaires. Or, c'est parce qu'il n'était pas question pour les actionnaires d'obtenir des dividendes que ce méga-projet avait été exonéré du paiement des taxes douanières et fiscales. Autre scandale révélé par ce rapport, sur les 3 milliards prévus pour les infrastructures, moins d'un milliard a été réellement décaissé par la... Comme vous avez pu bien le voir, la Chine avait signé un deal avec le Congo, n'est-ce pas, pour faire un certain travail. Mais les Congolais n'ont pas vraiment vu le travail qui a été rendu véritablement. C'est vrai qu'ils ont conçu un tout petit peu, mais compte tenu du deal qui a été prononcé, bien évidemment, encore une fois, l'Afrique sort perdant. Et en vérité, c'est de ça dont il est question, c'est-à-dire laisser aux Africains la chance de choisir eux-mêmes leurs deals, eux-mêmes les partenaires avec lesquels ils veulent faire des deals. Parce que, en fait, en vérité, l'Afrique est fatiguée. Elle est tellement fatiguée qu'il faut la laisser choisir elle-même la personne avec laquelle elle va faire ses deals, en fait. Il faut arrêter ce côté paternaliste, là où, en fait, on veut tenir la main. Et en vérité, comme je vous disais au préalable, personne de ces dirigeants-là ne veulent que l'Afrique se libère. Parce qu'ils savent une chose, c'est que quand l'Afrique va prendre son destin en main, c'est-à-dire que les choses vont tellement changer que maintenant les gens pourront voir l'éclosion de l'Afrique telle qu'elle est, en fait. Et là, c'est la raison pour laquelle ces Occidentaux-là ont des fièvres, parce qu'ils ne veulent même pas laisser, en fait, l'Afrique se développer, en fait. Mais dans tous les cas, moi, j'ai espoir en notre génération, parce qu'en vérité, je pense qu'on est différent de la génération passée, en fait. En vérité, nous, certaines personnes, certains anciens ne nous comprennent pas, mais nous, c'est cette jeunesse-là, c'est cette fougue-là qui va faire en sorte que les choses vont changer. Moi, je suis conscient de ça, en fait. Je suis vraiment optimiste. Je suis vraiment ce jeune-là qui croit en notre génération. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de débloquer même des choses que les gens ne pensaient même pas qu'on devait débloquer, en fait. Et je suis juste fier d'appartenir à cette génération-là qui est en train de voir les lignes bouger dans l'histoire de l'Afrique, en fait. Et je ne peux m'empêcher de ne pas être heureux dans ce sens-là, en fait. Donc, en vérité, ce que je veux simplement dire à travers cette vidéo, c'est que peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, toi aussi, à ton niveau, participe au développement de l'Afrique. C'est-à-dire, n'attends pas forcément d'être en Afrique pour commencer à partager ton amour pour l'Afrique ou encore comment est-ce que tu peux participer à l'éclosion de l'Afrique. Toi aussi, à ton niveau, peu importe là où tu te trouves dans le monde, participe à ce que l'Afrique rayonne. C'est de ça dont il s'agit et c'est de ça dont il est question. Ne cherchons plus des excuses, parce qu'en fait, en cherchant des excuses, on perd du temps, en fait, alors qu'on peut faire des choses extraordinaires pour le continent africain. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Faisons en sorte que cette communauté grandisse davantage, les amis. On doit faire en sorte que cette communauté puisse davantage grandir et afin que davantage on soit plus fort. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi et sur ce, on se dit à la prochaine.